Au Maroc, des activistes ont foulé le pavé de Rabat pour s'arrêter devant le Parlement et manifester leur solidarité avec le peuple palestinien, notamment en dénonçant la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Les crimes qui sont perpétrés contre le peuple palestinien se poursuivent, notamment la tuerie qu'il y a eu à Jénine dernièrement et qui a vu le décès de 10 martyrs. Nous sommes là parce que nous constatons que notre pays s'engouffre dans la normalisation avec les sionistes, cette normalisation qui est en train de nous faire perdre notre souveraineté nationale. Avec l'inauguration fin 2020 d'une ligne aérienne directe entre Israël et le Maroc, la normalisation des relations entre les deux pays s'est officialisée. Le Maroc est maintenant le quatrième pays du monde arabe à afficher la normalisation de ses relations avec Israël.